première phase projet ça a été lancé dans mois mars 2017 et puis bout dans l'année 2018 dans première phase là gain plusieurs travail qui déjà fait pour permettre yo alimenter ancien réseau qui te gain problème plusieurs tuyaux passé en batte gain divers kiosques ak réservoir qui construit tant kou dans Karakoli Saint-Antoine Saint-Louis gain amélioration qui fait dans captage souscrément ak débarras vendredi 31 juillet deuxième phase travail yo lancé côté a bien pour yo réhabiliter système réseau hydraulique Jérémie à travers travail ça technicien dit n'est pas a bien pour al prendre l'eau dans source et puis distribuer le bail population nous venir pour nous réhabiliter tout réseau distribution ville Jérémie et faire extension réseau à tout vers de l'autre zone qui peut co gagner réseau donc dans deuxième phase projet ça en gros il y a environ 22 km sur de différents diamètres qu'ap gen proposé. Nous gen environ une douzaine de kiosques qui va le construire toujours. Gagné environ 2500 nouveaux branchements et chaque branchement ça va l'équiper de compteurs ajouté à branchement existant qui va le réhabiliter. Et ben faut dire bien que au niveau de Jérémie et ben gloa libral au volume. Objectif c'est permettre population gain accès à de l'eau potable. D'après directeur général d'INEPA, Guito Edouard, qui bat bravo pour travail ça qu'a réalisé dans la commune Jérémy. D'INEPA a fait gros effort. Tout récemment, là, nous étendons ensemble de préoccupations par rapport à une partie dans le centre-ville là, pas alimenté. Eh bien, direction départementale, travaux publics, te maconnéje folle avec OREPA Sud, eh bien, pour nous. T'es fait en sorte que, eh bien, obstruction ça. Ça veut dire que son série de tuyaux, avec le temps, le fait que de l'eau a loup techniquement, ça veut dire qu'elle gagne pile produit là-dedans. Des fois, c'est calcaire qui envahit tuyaux, hein, qui vient faire que conduite là dans le temps. Après 10, 15, 20 ans, eh bien, on obligé de remplacer parce que de l'eau a trop loup. Eh bien, produit ça, eh bien, vient empêcher de l'eau arriver dans le centre-ville là. Nous t'es arrivé pour tes solutions ça. Mais depuis sous vice-délégué François Spin, nous t'es monté dans le captage là. Et je crois que c'est captage Clément. L'enrivé nous est dégradation accélérée de sous ça. Faut que nous adresser problème ça, problème environnement. Ou même cap couper pied bois pour faire charbon ou même cap couper pied bois pour al vendre ni pour qui ça et bien pour al vendre ni by dry cleaning et bien ça li très nocif pour dîner pas on ça sincère qui te prend la parole dans nom ministre de justice quoi c'est question déboisement qui la cause tarissement dans quelques sous dans département li quoi faut sensibilisation continue faite pour moun yo pas couper pied bois ça qui d'après li a empêché sous yo sèche. Il faut une prise de conscience de chaque citoyen qui l'a, capable de tout le monde Jérémie, tout le monde qui est en l'air, qui est en hauteur, pour ne pas exploiter pieds bois qui est en zone côté de source. Parce que source là, s'il tari, même si nous avons un réseau pour distribuer de l'eau, nous n'avons pas de l'eau pour nous bailler. Moi, je prends note de ça déjà dit, hein, côté non seulement nous avons des possibilités pour nous prendre l'eau dans la rivière Grand-Anse pour nous mettre sous réseau. Hein? Mais quand même, DG, je ne suis pas sûr que le ministre, hein, par la ministre de l'Environnement, quand même, pour nous protéger, hein? Même si c'est pour un résultat à court terme, mais à long terme, pour nous assurer nous, que sous ça, on gagne de l'eau encore. Délégué départemental Grand-Anse, Jean-Claude Bontemps, salue le projet ça qui gagne en pile importance pour mon Grand-Anse. Et dans Grand-Anse, nous avons soif. Nous avons soif. Programme ça. Moi-même dis ça au nom tout Jérémien, nous content. Nous content deuxième phase projet ça qui va commencer hein, et n'a bail tout appui nous. Projet distribution de l'eau ça a réalisé dans commune Jérémie. Une façon pour mener de l'eau dans robinet chaque monde. 100 000 monde doit bénéficier projet ya, et l'a duré 14 mois. C'est coopération espagnole qui finance pour un valet 236 millions de gourdes.